Et salut à toutes et à toutes les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est en compagnie de deux abonnés, de Chagarrier et de MXMe Sunny. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, vous voyez que j'ai économisé des bonbons, on va découvrir un peu les pets. Voilà, on va faire des notes sur 10. Ensuite, je vous montrerai un peu toutes les techniques dans les jeux pour avoir le plus de bonbons possible. Voilà, donc pour la potion, par exemple, je vais vous montrer toutes les cachettes de tous les ingrédients. Et ensuite la moto, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en avoir. Donc si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Et si je vous dis bonne vidéo, c'est parti. Ok, donc tout d'abord on va aller à la boutique. Parce que voilà, on va noter un peu les pets. Avant, je sais pas si elle va passer par là, mais je sais qu'elle est française. Elle m'a fait un trad de fou. Je sais pas si elle s'en rend compte qu'elle s'est fait complètement douiller. Mais d'accord. Voici mon trade. Voilà, je vous laisse noter dans votre tête là quand même le trade de fou là. Un Lunarox contre un Goldhorn. Voilà. Voilà, c'est complètement ouf. Donc on est parti, on va aller à la boutique, on va acheter un peu tous les pets, on va ouvrir des box aussi. Et puis on va voir un peu s'ils sont beaux ou pas. En cas de 6, ils sont beaux en mieux. Donc les pets, hein, les accessoires, je m'en fous un peu. Moi c'est les pets que je veux. On va commencer par le moins cher et après on va commencer par les plus chers. Ok, donc Blue Scorpion. Ok, alors, il est stylé. Il est stylé, en vrai. Et il est pas cher. C'est un pet spécial, je crois. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien, honnêtement. J'aime bien. Alors, on va regarder un peu à quoi il ressemble en néon. Alors, en néon, il est jaune en dessous. Et en méga néon, il change de couleur pareil en dessous. Ok. Bon, honnêtement, ce pet, je l'aime bien. Je trouve que c'est bien d'avoir un pet comme ça. On va acheter ce pet là. Voilà. Donc le Halloween Evil, donc c'est un chien saucisse un peu, mais Evil, voilà, quelque sorte. J'aime bien, je le trouve très stylé en vrai. Ouais, c'est un pet que j'aime bien. Maintenant, faut voir à quoi il ressemble en néon. Alors en néon, ok, donc il est jaune au niveau des yeux, de la queue et tout. Et en méga néon, c'est pareil, c'est cette partie-là qui change. Je l'aime bien ce pet, honnêtement, il est pas mal. Maintenant on va prendre le Skeletoon Dog, voilà. Ce pet, je le trouve très très bien, ça fait un peu dans le style de Skelerex, le squelette que je kiffe d'ailleurs. Et ensuite, dans les pets, je crois qu'il est rarissime, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est rarissime, et en néon, ah ouais, en néon, pense qu'on gâche, tout blanc, il est tout blanc. Et en méga néon, ouais, non, il est moche. Ouais, les chats maintenant, j'ai 1920, donc je pense que je peux acheter deux boîtes, et pas plus. Ah, je peux en acheter 3. Je peux en acheter 3. Alors, est-ce qu'en 3, on va faire un exploit? Donc c'est parti, pack opening, qu'est-ce qu'on va voir? Alors je pense avoir un Black Mimikat dès le début. Voilà. Ah, t'as perdu ton compte? Ouais, ça je sais pas pourquoi, ça arrive à beaucoup de gens en ce moment. Je peux rien faire d'autre. La deuxième, j'espère avoir un bon truc, s'il vous plaît. Ah, voilà, white. Un white Mimikat, voilà. Petit rare qui fait plaisir. Et est-ce qu'on réussit l'exploit maintenant? Est-ce qu'on réussit cet exploit? Telle est la question. C'est maintenant, c'est tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à liker et c'est un Black Mimikat. Voilà. On n'aura pas le Golden Mimikat, malheureusement. Maintenant, on va voir un peu les accessoires. Je les achèterai pas parce que c'est cher quand même. Part si j'ai un coup de cœur, mais je pense pas. Voilà, je vous les fais passer un peu si vous les avez pas vus avant. Voilà. Alors là, mince, je voulais juste voir. Mais okay. Donc là, ok. 350. Bah, il y avait une Black Victoria truc. Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais ok, Elise, ok. Dunkin, ouais c'est un ok. By Halloween. Ok, bon moi je prends celui-là parce que je le trouve stylé. Voilà. Je
sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve stylé en vrai. Et après, je pense qu'on va prendre ça parce que je trouve ça stylé aussi. Et puis voilà. La moto, je vais pas l'acheter parce que 3500, j'ai un peu la flemme d'économiser. Voilà, donc pour les néons, donc on va voir un peu aussi quand même les néons, en quoi ils ressemblent. Okay, donc là, il y a que le niveau de la queue qui change. Ouais, ok. Il y a pas grand chose qui change. Tac. Le White Mummy Cat en néon, pareil, c'est la queue qui change. Et le Golden Mummy Cat, qui est là. C'est la queue qui change aussi, pareil. Ok, donc il n'y a pas trop de changements. Voilà. Et puis, ben on va attendre que les jeux ils arrivent. Et puis, je vais vous montrer un peu les techniques pour avoir le plus de bonbons au jeu. C'est parti. Ok, donc les amis, je vais vous montrer maintenant comment trouver du coup les cachettes de tous les ingrédients possibles. On va prendre la mascotte. On va prendre le petit Hob. Voilà, tout simplement. On va le mettre en fly. Et puis, on est parti. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc pour ceux qui savent pas, il y a du coup la sorte de feuille un peu qui est ici juste derrière la pierre, donc en sortant du chaudron. Ensuite vous avez aussi dans la même salle, vous avez ça là, c'est le half je sais pas quoi. Ensuite dans l'eau il y en a un aussi qui est là, voilà, je sais pas si vous voyez, il est juste là avec mon curseur. Et après en sortant de l'eau vous avez la lisière prime mais blanche, voilà. Ensuite vous allez dans la cellule 6 et vous avez le gros champignon qui est juste là. Voilà. Ensuite, ça c'est la boutique. Dans la cellule 2, vous avez le petit champignon. Voilà. Qui est juste là. Et après, dans la cellule 1, vous avez le grand champignon, mais en mode. Pas gros, le grand, tu vois. En mode. Voilà. Il est grand, tu vois. Voilà. Et ensuite. Je crois qu'on a fait le tour et que je vous ai dit toutes les cachettes. Si je dis pas de bêtises. Peut-être que je vous ai raté un truc. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié un truc, mais je crois pas que j'ai raté un truc. Bon ok, maintenant on va attendre un peu que le jeu se lance. Le jeu commence dans 13 minutes, du coup on va attendre 13 minutes. Et puis l'autre jeu, s'il arrive avant, on verra. En tout cas, je vous souhaite une agréable vidéo et on va attendre. Bon ok les amis, du coup là le jeu il commence dans 4 secondes, là, dans 3 secondes, 2, 1. Je vais vous montrer un peu les techniques pour gagner le plus de bonbons possible, tout simplement dans cette chasse aux bonbons. Donc c'est assez simple, en fait vous restez derrière sans le toucher en fait. Vous restez derrière tout en ramassant les bonbons en fait, c'est assez simple. Alors ouais, non. Donc voilà, en fait c'est très simple, voilà, il suffit juste de prendre les bonbons quoi, sans toucher le bonhomme quoi, voilà, sans toucher aussi les fantômes parce que voilà c'est un peu chiant. Et après voilà, hein, tu prends les bonbons tranquille, et même quand il est fatigué tu le touches pas quoi, tu t'attends d'avoir 4000 en fait. Mince. J'ai raté un bonbon moi. Voilà. Donc on récupère les bonbons tranquille. Même quand vous les ratez, c'est pas grave, vous pouvez quand même les récupérer. Voilà, et vous attendez d'avoir un score de 4000 en fait. Et une fois que vous êtes à 4000, et ben c'est le maximum que vous pouvez faire et vous allez gagner. Vous allez. Ah bah tu gagnes toi aussi. Et vous allez gagner du coup 200 bonbons avec 4000. Voilà, donc c'est quand même pas mal, je pense. Voilà. Donc là, vous allez voir, il va bientôt être fatigué. D'accord, mais vous continuez sans le toucher. Jusqu'à que vous soyez à 4000 en fait. Là, on continue. Tranquille. Le maximum, c'est toutes les techniques, on peut pas faire plus que 4000. C'est tout dans l'esclave. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, je récupère de l'argent pour tout le monde. Voilà, donc 3100, vous voyez, 3200. Vous voyez là il est fatigué, mais vous ne touchez pas. Continuez à le prendre. Et dès que vous êtes à 4000, après vous le touchez parce que 4000 c'est le maximum et après du coup vous allez perdre des bonbons. Voilà. 3800. Voilà, donc là il est très fatigué, mais continuez. 900. Et dès que vous êtes à 4000 de score, vous pouvez le toucher parce que après il ne donnera plus de bonbons. Voilà. Et là vous allez gagner 200 bonbons. Voilà.
Et voilà, donc vous avez gagné 200 bonbons pour un score de 4000. Voilà, et voilà. Maintenant, on va attendre la potion magique et voilà, on va essayer de faire le meilleur score et le meilleur temps possible. C'est parti. Ok, les amis, du coup, je me suis TP au truc là de truc. Iban, ouais, me paye pas trop parce qu'après, tu vas plus avoir de thunes. Du coup, au truc de potion, voilà. On va sortir Hob parce que sans Hob, ça va être compliqué. Puis avec un pet fly on va toujours plus vite. Du coup ok. Donc là on a le tal truc room là. Donc on va d'abord chercher le Black Fern. Le Black Fern qui est derrière. Voilà. Vous le prenez et vous allez le déposer dans la marmite. Voilà. Ensuite le tal glow mushroom, il est dans l'eau. Voilà. Juste dans le creux de l'eau. Voilà. Vous le prenez. Et vous allez dans le magique chaudron. Voilà, parfait. Et après vous avez le big mushroom. Le big mushroom qui se trouve dans une des cellules. Non, c'est le petit. Et le gros, il est là. Dans cette cellule là, vous avez le big mushroom. Voilà. Vous allez le prendre et vous allez mettre dans le magique chaudron. Et après vous aurez votre potion. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi elles servent les potions. Parce que j'ai pas trouvé à quoi elles servent en fait. Voilà, j'ai pas trop à quoi les servir les potions. J'en ai pas mal. Dites-moi si vous savez à quoi chaque potion correspond. Parce qu'honnêtement, je trouve pas. Bah bon allez, ouais, non mais je vais pas les boire si je sais pas à quoi ça sert. Tu vois, c'est un peu débile. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de la mise à jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé concernant cette mise à jour un peu. Pour vous que vous gagnez plus de bonbons, si vous voulez les pets que vous voulez acheter, que vous voulez pas acheter. Et moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine, c'est étonnant. Ciao. Non, papa, non. N'oublie pas de rejoindre le groupe Roblox et Discord, tous les liens sont dans la description. Et voilà, donc si tu souhaites t'acheter des merveilleuses tuniques de la chaîne, va dans boutique et je suis sûr que tu trouveras ton bonheur.